À quel âge de la vie nos premiers souvenirs s'impriment-ils dans nos mémoires? Est-on capable de mémoriser des événements avant même de savoir marcher? Des psychopédiatres et des psychanalystes prétendent que le fœtus enregistre dans le ventre de sa mère des sensations qu'il n'oubliera jamais. La science en l'état est encore incapable de l'affirmer. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que notre cerveau est un outil incroyablement complexe dont nous n'avons pas fini de percer les mystères. Et ce n'est pas Antoine Grimaud qui me contredira. Antoine est un jeune cadre employé dans l'industrie aéronautique. Sa femme Solange, belle, brune, de 34 ans, donne des cours de soutien à des adolescents. Le couple est heureux, sans histoire. Pourtant, un matin au réveil, un mot, un prénom de femme, va entraîner un cataclysme. Il va précipiter nos héros dans une histoire impossible. Désirez un thé? Un petit thé? Oui. C'est vrai que vous savez que c'est difficile de se dire que son mari vous trompe. Mais moi, c'est comme si c'était un autre qui parlait à ma place. Voilà, c'est comme si ta personnalité se dédoublait. Voilà, en gros, à ces moments-là, tu comprends rien à la situation. Hein. Bah, il était environ 7h30, je prenais mon petit déjeuner en écoutant la radio, pendant qu'Antoine se préparait dans la chambre. Bon, on a nos petites habitudes le matin. C'est toujours moi qui lui serrais son nœud de cravate. Ouais. Enfin, en l'occurrence, la sauve ce matin-là. Hein. Hein. Et ça, c'est la première fois. C'est ça qui m'a fait étrange. C'est-à-dire qu'elle était là, comme ça, sur son café, la tête penchée en avant, et comme si elle fuyait mon regard, en fait. Elle était distante. Elle était distante, elle était triste, quoi. Ça m'a fait super bizarre, quoi. Bah, j'avais les yeux rouges, j'avais pleuré toute la nuit. J'ai essayé de lui demander s'il ne devinait pas pourquoi j'étais si mal. Après ce qu'il m'avait dit cette nuit-là. Ouais, mais hein? Qu'est-ce que je lui avais dit, moi? Voilà. Ça, c'était la première fois en 9 ans de vie commune que tu me disais que j'avais parlé la nuit. Hein? T'as acheté du sucre? Là, dans le placard. Enfin, ça, moi, je m'en serais souvenu si j'avais parlé la nuit. Ouais. Ah bon, ce matin-là, on n'en a pas beaucoup parlé parce que j'étais en retard, donc j'ai filé au bureau. Hein. Mais putain, mais bon sang, qu'est-ce que j'avais pu lui dire pour la mettre dans cet état? Je m'en souvenais absolument pas, quoi. Vraiment. On va se mettre au salon. Ouais. J'attends que ça chauffe, j'arrive. Durant la journée, Antoine s'abrutit de travail. Rendez-vous, coup de téléphone, dossier à boucler, études techniques. L'étrange événement de la nuit précédente lui sort rapidement de l'esprit. Le soir, il rejoint sa femme en ville pour dîner dans un restaurant avec des amis. Tout se déroule à merveille. Vers minuit, le couple regagne son domicile. Voici venue l'heure des grandes explications. Merci. De retour à la maison, je lui ai dit, bon, à propos de la nuit dernière. Et alors, mais alors, impossible d'aller plus loin. Mais j'ai pas envie d'en parler. C'est pas le moment, c'est pas les conditions. Hein? Oui, bah, j'ai finalement décidé de lui rafraîchir la mémoire. Il avait parlé cette nuit-là. Ça m'avait réveillée, et quand j'allumais la lumière, il était assis dans le lit, les yeux grands ouverts. Il disait « Non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Ça voulait rien dire, mais je lui ai parlé, il m'a répondu, et il m'a parlé de Nadia. Elle était persuadée que Nadia, c'est une collègue de bureau, quoi. Moi, le problème, c'est que je ne connaissais pas de Nadia, ni au bureau, ni dans la vie. Et de toute ma vie, je n'avais jamais rencontré de Nadia, jusqu'à maintenant. Hein? Oui, mais je voulais savoir qui était Nadia. Donc je lui ai posé des questions et il m'a répondu. Il m'a dit que c'était un secret. Quel secret pouvait bien avoir mon mari avec une autre femme? J'étais persuadée qu'il me trompait. Tromper Solange, moi, ça m'est jamais, jamais venu à l'esprit. Moi, j'aime ma femme, je suis heureux avec. Hein? Ça m'a jamais traversé l'esprit, ça. Moi, j'en étais persuadée. Nadia était sa maîtresse. Alors j'ai craqué. Cette nuit-là, c'était...
On s'est disputé, on n'a pas dormi ni l'un ni l'autre. Et le matin, en me levant, j'ai dit, bon, écoute, il faut que je te dise sincèrement, moi, j'ai peur. J'ai peur d'être devenu amnésique, c'est vrai. Et là, t'as commencé à me croire. Là, t'as compris que c'était pas de la blague. Hein, ouais. Et t'as conseillé d'aller voir Georges. Oui. T'es là, c'est ce matin-là. Georges, c'est un ami médecin. Antoine m'a tout raconté. La nuit où il avait parlé, comment Solange l'avait pris, le fait qu'il ne se souvenait de rien. Moi, j'ai eu un peu de mal à y croire. Naturellement, un médecin est très cartésien, et pour moi, un homme qui ne se souvient pas avoir parlé à sa femme la nuit, assis sur le lit, les yeux ouverts, ça me pose un petit problème. Et Georges, pour lui, c'était clair, mais alors archi clair, il ne croyait pas, lui. Lui était persuadé que je trompais Solange avec Nadia. Depuis quelques années, depuis que de nouvelles responsabilités professionnelles l'accaparent, Antoine souffre d'insomnie. Pour les combattre, Georges, un ami médecin, lui a prescrit un traitement approprié. Il ne s'agit pas de somnifères traditionnels, mais d'une médication expérimentale importée des États-Unis. Georges a mis en garde son patient contre les risques d'effets secondaires. Il est possible, a-t-il prévenu, que plongé dans un profond sommeil, Antoine fasse des rêves hallucinatoires. Dans ce cas, si les effets indésirables persistent, il arrêtera sa prescription. Quand j'ai parlé des effets secondaires de ces médicaments à Antoine, il croyait que je lui avais prescrit une sorte de sérum de vérité. Évidemment, ce n'était pas le cas. Mais qui dit sérum de vérité, dit vérité. Et Antoine persistait à dire qu'il ne connaissait pas de Nadia et qu'il ne trompait pas sa femme. Excusez-moi, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cette histoire. Donc, on en était où? Ah oui. Donc, quand Antoine a été voir Georges, bah, j'en ai profité pour fouiller dans ses placards. J'ai regardé dans toutes les poches de ses vestes, à la recherche du moindre indice, d'un petit bout de papier avec un numéro de téléphone. Et j'ai même regardé dans son agenda si je ne trouvais rien. J'ai checké ses tickets de carte bleue. Et rien. Rien qui puisse, en tout cas, me confirmer cette liaison. Il a tellement pris au sérieux cette enquête, parce qu'il s'agissait bien d'une enquête, je me suis dit que peut-être que, en fin de compte, il disait la vérité. J'ai commencé à chercher l'adolescence, l'enfance, tout ce qui pouvait m'aider à me rappeler quelque chose, les remises de diplômes, les rentrées, les études, tout. Je suis même allé chercher des listings des anciens élèves, enfin. Mais rien, il n'y avait rien qui me rappelait une quelconque Nadia, quoi. Le mystère était de plus en plus épais. Son amnésie, cette fidélité qui me témoignait tous les jours, et puis le fait qu'il ne connaissait pas de Nadia, ça a fait changer mon point de vue, j'y ai cru. Et alors, malgré tout ça, il n'y avait aucune trace de Nadia. Aucune. Je comprenais pas, moi. Et c'est là que j'ai une idée. Georges, l'ami d'Antoine, est féru de médecine parallèle. Il pratique l'hypnose et l'acupuncture. Puisqu'Antoine a parlé dans son sommeil sous l'effet des somnifères hypnotiques, pourquoi ne pas essayer de le soumettre à une véritable séance d'hypnose? Peut-être parviendra-t-il ainsi à se libérer de son secret. Peut-être, pour l'avenir de son couple, éclaircira-t-il le mystère de l'intrigante Nadia. Si j'avais commencé à parler d'hypnose à mes patients, mon cabinet serait désert aujourd'hui. Les gens ont peur de ça. C'est trop irrationnel, sans doute. Mais pour Antoine, j'ai accepté de m'y remettre pour aider mon ami. Assister à une séance d'hypnose, c'est un peu comme si on voulait ouvrir un journal intime. J'avais peur de trouver des choses que jusqu'alors inconnues. Des choses qu'Antoine aurait voulu me cacher pour une raison ou pour une autre. Je m'étais installé dans un grand fauteuil, là. Et parce que il m'avait prévenu, quand même, Georges. Il m'avait dit, tu sais, c'est une séance d'hypnose. Les séances d'hypnose, tu te rappelleras de rien. Tu vois, c'est une espèce d'état second. Et tu te rappelles de rien. Donc je lui avais dit d'enregistrer la séance. Parce que moi, j'étais là quand même pour me rappeler de ces choses-là. Moi, j'étais là pour chercher quelque chose. J'ai endormi Antoine et j'ai commencé à lui poser des questions. Je lui ai demandé s'il voulait retrouver Nadia, et il m'a répondu oui, sans hésitation. Je voulais savoir aussi où il se trouvait à ce moment précis, dans cet état second.
J'étais dans une voiture, j'étais à l'arrière sur la banquette, et il y avait une femme qui conduisait. Cette femme, c'était Nadia. J'ai demandé à Antoine ce qu'il faisait dans cette voiture, dans quelles conditions il s'était retrouvé là, dans quelle direction le véhicule se dirigeait. Et il me fallait un maximum de détails. C'était l'hiver, il faisait froid. Nadia voulait pas d'enfant. Il y avait une voix qui disait « Mais moi, il faut que j'en parle à ma femme. » Et moi, je disais « Nadia, je t'aime. » C'était trop dur à entendre, trop dur à vivre. Ouais. Puis je voulais pas en savoir davantage. Je me suis dit que... C'était leur histoire, quoi. Que ça regardait Antoine, cette femme, cette Nadia. Il a compté jusqu'à 3. Il a claqué dans ses mains et je me suis réveillé immédiatement. Je me souviens très bien de ça. J'étais bien, j'étais détendu, j'étais... Immédiatement après son réveil, Antoine a voulu écouter la bande pour savoir ce qu'il venait de dire. C'était bien normal. Sur la bande, à un moment, je disais... Je parlais d'un enfant. Et quand j'ai écouté la bande, que je me suis entendu parler de ça, j'ai dit, je sais pas, j'ai perdu la raison. J'ai foncé sur une vitre. La vitre, elle a explosé. J'ai senti d'un coup, il y avait du sang partout, sur les mains, ça coulait sur les joues. J'ai appelé une ambulance, on est allé à l'hôpital le plus proche, où les premiers soins lui ont été administrés immédiatement. L'état d'Antoine pouvait laisser imaginer le pire, mais... C'est son mental qui avait subi le plus de dégâts. Les psychiatres qui l'ont examiné ont rapidement diagnostiqué une dépression. À l'hôpital, un médecin est venu me voir pour me dire qu'Antoine passait ses journées à chercher des solutions à un problème. Et alors, donc, Solange... Bon, ça a été un petit peu dur pour elle, quoi. Elle était seule, elle était affaiblie par l'idée que j'ai pu la tromper avec une autre femme. Et elle appelait mes parents. Ben, après leur visite à l'hôpital... Nous sommes rentrés à la maison et comme leur fils ne leur avait rien dit, ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'ont demandé « mais que s'est-il passé ?» Et je me suis dit que peut-être que la meilleure idée était de leur faire écouter la séance d'hypnose. Nous avons écouté la bande avec mon épouse. Le moment où Antoine a parlé de Nadia est arrivé assez vite. Il parlait de cette femme, d'une voiture... D'un enfant. J'ai été stupéfait. Solange m'a regardé fixement. J'ai été obligé de lui donner quelques explications. Je lui ai dit que Nadia existait vraiment. Qu'elle n'était pas la maîtresse d'Antoine comme elle le pensait. Mais sa propre mère. Il m'a parlé de sa mère. Mais je comprends pas. Sa mère, je l'avais devant moi, quoi. C'est vrai. Je comprenais pas du tout ce que voulait me dire cet homme. J'avais eu une aventure avec Nadia au cours de notre première année de mariage. Puis elle est tombée enceinte. Nadia m'a tout de suite dit qu'elle ne voulait pas garder cet enfant. Elle ne se sentait pas prête à l'élever. Peu de temps après l'accouchement, elle a mis le bébé dans sa voiture et elle me l'a apporté. Et j'ai enfin réalisé quel était ce grand secret. Nous n'avions jamais dit à Antoine. Pour lui, ma femme, c'était sa maman. Je pensais avoir été le seul avec Nadia à assister à cette scène quand elle est arrivée en voiture, qu'elle m'a remis le bébé. En fait, il y avait quelqu'un d'autre, allongé à l'arrière de la voiture. C'était Antoine. Un bébé d'à peine 8 semaines. Antoine a dû patienter 27 ans pour parvenir à faire ressurgir de sa mémoire le souvenir d'une scène vécue à l'âge de 2 mois. 27 ans pour ressusciter le nom évanescent de sa mère et remettre en ordre les fils décousus de son enfance. Un long et périlleux travail qui aurait pu briser son couple.